et bienvenue. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment fabriquer son savon qui va vous permettre, j'appelle ça le savon pour la percer. Donc ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous avez besoin, j'en ai parlé sur Facebook ce matin. Donc je me suis dit, là je suis en train de faire des lavages, des rituels pour les gens. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Non. Vous avez besoin de quoi? J'aime beaucoup travailler avec la bougie. Ça met la lumière dans ce que je fais. Donc, je vous ai dit dans la vidéo, ça par exemple, c'est de l'encens qu'on a brûlé. Donc, cette cendre, c'est une cendre d'encens. Donc, on a besoin de... On va mettre une cuillère à soupe de cendre. Donc, je suis généreuse du même point. On a besoin de sel. Je vais vraiment mettre pas trop. Normalement, pour deux ou trois cuillères, tu devrais mettre deux pincées de sel. Donc, je mets une pincée. Et puis, tu peux m'apporter le ndong, s'il te plaît. Donc, j'ai dit, vous mettez le ndong et vous mettez le jujube. Donc, si tu n'as pas le ndong, tu mets le jujube. Si tu n'as pas le jujube, tu mets le ndong. Mais vraiment, l'élément le plus important dans ceci, c'est la cendre et le sel. Donc, vous avez aussi les encens que vous pouvez utiliser. Rapproche un peu la caméra. Vous pouvez aussi utiliser la poudre de l'encens. Ici. Comme ça. Donc, tout ce qui génère de la poudre, pardon, de la cendre, vous pouvez utiliser. Donc, à ça, vous ajoutez votre gel douche. Donc, ou encore, vous râpez votre savon. Ça, c'est le gel de purification. Même si c'est le gel blanc d'or, hein. Donc, vous le faites. Tu peux m'apporter ça, s'il te plaît? Il y en a dans la chambre, là-bas. Sur la table. Donc, je n'ai pas de jujube ici. Je suis en Côte d'Ivoire. Donc, tu ouvres le nom derrière toi. Voilà. En déclarant que ceci, c'est pour te libérer. Voilà. Tu médites ta libération. Donc, ce que tu as, voilà le nom. Donc, tu peux prendre... Normalement, le nom, si vous devez le manger quotidiennement. Donc, tu peux prendre l'équivalent de... Je vais prendre l'équivalent de 7 ou 8 grains. Normalement, vous devez écraser ceci. Mais je n'ai pas de pierre ici. Donc, ce que je vais faire, je vais le mâcher. Donc, une fois que c'est mâché, tu mets là-dedans. Avec ton gel douche. Voilà ça. Tu mélanges. Tu mélanges. Maintenant, tu vas lire le psaume. Le psaume 35. Seigneur, prends le grand, saisis le grand et le grand javelot. Défends-moi contre mes adversaires. Tu vas lire le psaume 51 de purification. Et tu vas lire le psaume 91. Voilà. Donc, c'est maintenant ça que tu vas prendre. Tu vas mettre sur l'éponge pour te laver. Et en te lavant, tu pries. J'enlève. C'est pas pour rien dans la Bible qu'on disait que quand quelqu'un voulait se purifier ou bien encore quand il jeûnait, il se couvrait avec la cendre. Donc, ce que tu fais, comme tu es en train de frotter sur toi, toute malédiction générationnelle qui a été mise sur moi, tout blocage que j'ai. Donc, la cendre est symbolique. Donc, tu te frottes avec. J'ai aussi une autre partie, j'avais parlé de l'huile rouge que tu mets sur tes pieds. Tu parles, tu déclares que tout ce qu'on a attaché sur toi, par cette huile rouge, tu te détaches. Donc, quand tu mets l'huile rouge, pendant que tu as encore l'huile rouge sur les pieds, tu prends maintenant le gel, tu mets sur le gant, tu te frottes tout le corps avec la cendre. La cendre est très importante. Voilà. Donc, voilà. Si vous voulez rajouter une touche un peu plus personnelle, ça c'est juste mon inspiration. Vous mettez quelques gouttes de miel. Donc, dans le spirituel, c'est vrai, j'en ai mis beaucoup. Dans le spirituel, le miel est important. Pourquoi? Le miel restaure le goût. Ça restaure le goût dans ta vie. Donc, quand tu vas prier, tu vas dire, vous voyez, voilà ça. Que tout ce que j'ai fait dans ma vie, qui faisait que ma vie n'avait pas de goût, comme je me lave et qu'il y a la cendre dedans, la cendre te purifie. Ça range ta racine. Le sel apporte le goût à ta vie. Le miel maintenant vient donner l'aspect sucré à ta vie. Que je reprenne vraiment goût à la vie. Que ma vie soit sucrée. Que partout où je passe, je regarde les gens. Quand ils parlent à quelqu'un comme ça, qu'il ait le goût, qu'il soit content. Donc voilà. Donc n'oubliez pas le nom que vous mettez dedans.
don ou jujube, ou bien encore don et jujube. Et voilà, vous avez une préparation que vous pouvez utiliser pendant vos 3 jours de jeûne ou pendant vos lavages de déblocage. Merci, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne et partager ma vidéo. Bye bye.